père, je peux te poser une question? Bien sûr, mais essaye de garder la pause encore quelques secondes. Dis, c'est vrai que tu parles toujours des fruits? Qui t'a raconté ça? Maman, elle dit que dans tous tes tableaux, on trouve au moins un fruit. Mais non, quelle idée! Si tu regardes autour de toi, tu ne trouveras pas un seul dessin de fruits. Pourtant, c'est vrai, j'adore les peindre. Mais de temps en temps, suivant mon inspiration. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Attends, ne bouge pas. Un dernier coup de pinceau. Voilà. Bon, on arrête là pour aujourd'hui. Regardez. Pas encore. Trop tôt. Un tableau, il faut lui laisser le temps de naître, de grandir et de mûrir. Comme les fruits. Tu veux vraiment savoir pourquoi j'aime peindre les fruits? Oh oui. Assieds-toi. Et prépare-toi à faire un merveilleux voyage à travers le temps et l'espace. Mais comment? Chut. Tout est ici. Et voici la clé de ce mystère. Qu'est-ce que c'est? C'est le point de départ de ma passion pour les dessins de fruits. Écoute cette histoire. J'avais 12 ans et j'allais entrer à la grande école, c'est pour ça qu'on l'appelait, quand un jour mon père, c'est-à-dire ton arrière-grand-père, m'emmena dans une librairie. Il voulait me faire un cadeau utile pour quelqu'un qui allait entrer à la grande école. Et voici le livre qu'il m'offrit. Un traité sur l'histoire de la science des fruits, c'est-à-dire sur la pomologie. La pomologie. Les autres livres qui sont sur les étagères, je les ai achetés ensuite, au fil des années. Ils sont rangés chronologiquement, par thème et par auteur. C'est une vraie collection. Oui, si tu veux. Tous parlent des fruits. Ils ont été écrits par des médecins, des jardiniers ou des explorateurs. Ces livres sont très rares. Tous sont authentiques. Et certains sont vieux de plusieurs siècles. Et lorsque mon père m'a offert celui-ci, et regarde, il date de 1542. T'imagines? Eh bien, il m'a dit, François, conserve-le soigneusement, car le livre est le miroir et la mémoire de l'homme, ne l'oublie jamais. À l'époque, je n'ai pas très bien compris cette phrase, mais je n'ai pas osé poser de questions. Ça paraissait tellement vrai. Qu'est-ce qu'il voulait dire, grand-père? Laisse-moi d'abord te raconter l'histoire de ces livres. Ensuite, tu pourras reposer ta question. Peut-être tu auras déjà trouvé toi-même la réponse, qui sait? Voici l'herbier de Fuchs, qui décrit les caractéristiques des plantes, et pas uniquement celles des fruits. Fuchs? Oui, du nom de son auteur. Le voici, Monsieur Fuchs. Il te ressemble un peu. Tu trouves? Fuchs est l'un des premiers à illustrer les plantes d'après l'observation directe de la nature. Regarde, voici le dessin d'un noisetier. Celui d'un prunier. Et celui d'un cerisier. Je trouve que tu dessines mieux. Merci, ma puce. Mais dis-toi que les artistes qui ont fait ces dessins n'avaient pas les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui. En 1542, au moment de l'herbier de Fuchs, le livre imprimé n'existe que depuis un siècle. Depuis l'invention des caractères mobiles par Gutenberg. Tu connais Gutenberg? Tu sais, grand-père,
Je vais quelquefois à l'école et même qu'on y apprend des choses. Oui, évidemment. Bref, à l'époque, les illustrations étaient dessinées sur une planche de bois qui était ensuite confiée à un artisan qui en exécutait la gravure. Mais les illustrations gravées étaient quelquefois si grossières qu'il était très difficile de distinguer les plantes. Or, celles de Fuchs sont à cet égard remarquables. On y reconnaît dans les détails toutes les plantes dessinées. Comment est-ce qu'ils ont fait pour graver ces dessins? Le procédé est simple. On l'applique encore aujourd'hui. Imagine. Le graveur prend la planche de bois sur laquelle on a dessiné. Et à l'aide de ciseaux et de gouges, il enlève les zones de bois qui ne sont pas destinées à l'impression. Il laisse ainsi les dessins en relief et à l'envers. Quand ceci est fait, il encre sa planche. L'impression se fait en pressant une feuille de papier sur le bois ancré à l'aide d'une presse. Quel beau métier, grand-père! Eh oui! Un métier qui demande beaucoup d'habileté. Je vais te montrer un autre herbier. Celui-ci date d'un peu plus tard. De la seconde moitié du XVIe siècle. Son auteur s'appelle Dodons. Cet homme a décrit toutes les plantes et tous les arbres fruitiers de nos régions connues à l'époque. T'imagines le travail? C'est écrit en latin? Oui. Les textes qui accompagnent les dessins précisent la forme des plantes, le lieu de culture, l'époque de floraison et de fructification. On y trouve les noms des plantes en plusieurs langues. Il y a même des indications sur le goût des fruits. Mais surtout, ce livre contient les vertus médicinales des plantes, parce que ces herbiers étaient destinés aux médecins et aux apothicaires. Tu connais le latin? Tu sais, ma puce, moi aussi j'ai été quelquefois à l'école. J'y ai même appris des choses. Très bon, grand-père, à partout. Les textes de Dodons sont aussi écrits en français. Voici ce qu'on pouvait lire à propos du figuier. Les figues nouvellement cueillies nourrissent plus que les autres fruits. Elles excitent toutefois ventosité et enflent et lâchent tout doucement le ventre. Les figues sèches nourrissent plus que les fraîches, toutefois elles n'engendrent pas si bossant. Car ceux qui mangent beaucoup de figues, ils deviennent pleins de poux et de vermine. Étonnant, non? Étonnant et amusant. Bon, alors tu vas m'aider à prendre quelques-uns de ces livres. Mais d'abord la table. Nous serons mieux pour les regarder. L'herbier suivant que je vais te montrer est celui d'Aldrovandi, un naturaliste italien. Il date, lui, de la fin du XVIe siècle. Peux-tu le porter un instant? Merci, ma puce. Pour la première fois, Aldrovandi étudie les arbres et les fruits en les classant par famille. Il décrit ainsi, dans son second livre consacré aux arbres fruitiers, le pommier, le figuier, et les pommes d'or. Les pommes d'or? On appelait ainsi les citrons. Les limons. Et les oranges. C'est beau comme nom, les pommes d'or. On en parlera, tu verras. Bien. À quel moment s'était arrêté notre voyage? Fin du 16e. Très bien. Donc, maintenant,
Le 17e, forcément. Forcément. Au 17e siècle, apparaissent des livres consacrés uniquement aux fruits. À l'époque, la mode chez les rois et les riches seigneurs est de faire construire de magnifiques jardins de plaisance. Regarde ces plans de jardin. Des centaines, des milliers d'arbres fruitiers. Ça devait être beau. Très. On pouvait y trouver des agrumes comme les oranges, les citrons, mais aussi des fruits plus exotiques ramenés des pays chauds par les botanistes. Dans les universités, on crée aussi des jardins botaniques qui deviennent de véritables lieux d'expérimentation et d'études. En 1646, Jean-Baptiste Ferrari publie un excellent ouvrage intitulé « Espérit ». Il regroupe toutes les connaissances sur l'histoire réelle et légendaire de la citriculture en Italie. L'histoire des oranges et des citrons ? La légende raconte, selon Ferrari, que ce sont trois Hespérides qui ont amené d'Afrique les pommes d'or en Italie. Qu'est-ce que c'est une Hespéride ? Les Hespérides étaient des nymphes qui possédaient un jardin dont les arbres produisaient des pommes d'or qui donnaient l'immortalité. Comme les invasions barbares avaient complètement détruit la beauté et le charme de l'Afrique, ces trois Hespérides, pour leur propre sauvegarde et pour assurer la survie des arbres qui portaient les fruits d'or, prirent secrètement leur envol, emportant quelques pommes hespéridiennes avec elles. Elles traversèrent la mer dans une large coquille tirée par des tritons et abordèrent la côte italienne. Elles s'installèrent dans trois régions de l'Italie et ensemble offrirent les arbres des pommes d'or à Rome, le lieu de toutes les beautés. Tu crois que c'est vrai cette histoire ? Qui sait ? Peut-être. Tu vois, comme chez nous, la mode italienne est aussi de construire de somptueux jardins. Regarde ces villas de la Renaissance. Magnifiques. Évidemment, les citronniers et les orangers y trouvaient une place importante. Et ça, grand-père, qu'est-ce que c'est ? On dirait un hangar. Presque. Ce sont des abris hivernaux imaginés par les architectes. Au début, il s'agissait de piliers de bois recouverts d'un toit portable. Plus tard, la construction se compose d'un toit en tuiles supporté par un mur et des piliers en bois. On appelle ces bâtiments des orangeries, qui doivent entretenir un climat artificiel au milieu de l'hiver. Il en existe encore chez nous. C'est vrai ? L'orangerie du château de Freyre est très belle. On peut y trouver des orangers vieux de 300 ans. Tu m'emmèneras un jour la visiter ? Bien sûr. Le château de Freyre est situé dans une vallée magnifique. Je te promets de t'y emmener pour que tu puisses découvrir la beauté de cet endroit. Nous irons à l'intérieur de l'orangerie. Tu pourrais y voir les vieux pieds des orangers et même les caisses dans lesquelles on les a placées. J'espère que nous serons là lorsque les jardiniers les sortiront pour leur laisser prendre le soleil.
sont différents des premiers. Comment est-ce qu'ils ont fait pour graver sur du bois tous ces détails? Excellente question. Tu vois, au XVIIe siècle apparaît une nouvelle technique de gravure, la taille douce. On appelle comme ça une grande quantité de techniques qui impliquent toute l'incision du dessin dans des plaques métalliques. Le premier procédé de taille douce à être utilisé est la gravure au burin. Mais pour obtenir une restitution délicate des jeux d'ombre et de lumière, on a employé le procédé de l'eau forte. Cette technique permet à l'artiste de dessiner directement au moyen d'instruments divers sur une plaque préalablement enduite d'un vernis à base de résine qui résiste à l'acide. Le dessin terminé, la plaque est plongée dans un bain d'acide nitrique qui réalise le creusement du métal. L'encre ne subsiste que dans les lignes gravées. On mouille ensuite le papier. L'humidité va permettre aux fibres du papier de s'amollir et d'être pressées dans les tailles pour atteindre l'encre. Malgré tout, une pression extrêmement forte est nécessaire pour transférer l'image sur le papier. La presse en taille douce laisse son empreinte dans le papier, signe de la qualité du procédé. Nous continuons notre voyage ? Oh oui ! Nous voici arrivés au XVIIIe siècle, le siècle des grands voyageurs et des grandes découvertes. L'homme du XVIIIe siècle s'est passionné pour la nature et la découverte de nouveaux espaces. De grandes expéditions vont être menées. Tu vois ce livre ? Il a été écrit par le capitaine Cook. L'explorateur ? Lui-même. Voici le récit du voyage à la mer Pacifique et les opérations parmi les naturels de l'Amérique septentrionale. Les naturels. Ils appelaient comme ça les indigènes. Écoute ceci. Mars de l'année 1778, troisième voyage de Cook. Les sauvages se conduisent d'une manière très paisible et nous ne leur supposons aucune vue d'hostilité. Toutefois, nous ne pûmes en déterminer un seul à venir à bord. Au reste, ils nous donnèrent de bon cœur tout ce qu'ils avaient, notamment les fruits de l'arbre à pain, et ils se contentaient de ce que nous leur offrîmes en échange. Mais ils faisaient plus de cas du fer que de toute autre chose, et ils semblaient connaître parfaitement l'usage de ce métal. La plupart des pirogues nous suivirent au mouillage. Nous avions lieu d'espérer que notre relâche ici serait agréable, que nous pourrions y embarquer les choses dont nous avions besoin, et que des jours de repos nous feraient oublier les fatigues et les peines auxquelles des vents contraires et un ciel constamment orageux nous avaient presque toujours assujettis depuis notre arrivée. On s'y croirait. Tous ces voyages ont permis à l'Europe de connaître la richesse végétale tropicale. De nouvelles plantes et de nouveaux fruits ont été ramenés. Le caféier, par exemple. Les arbres et les plantes étaient transportés avec grand soin sur le pont des navires, dans des paniers, des caisses grillagées ou formées d'un châssis de verre, comme celle-ci. Des échanges de plantes et de semences animaient les jardins de l'Europe entière. Partout, des essais d'acclimatation de plantes exotiques sont tentés. L'ananas, par exemple, est un fruit très recherché. Il est très apprécié pour son goût, que les auteurs du XVIIIe siècle définissent comme une saveur mêlée de la fraise et du citron, ou encore comme celle du parfum mélangé de la pêche, de la fraise et du melon. On va même essayer de le cultiver en Europe. Mais d'abord,
à cause du froid. Cette culture échoue. Le premier qui va réussir à faire fructifier l'ananas est un Hollandais, Pieter de la Cour. Il parvient à trouver le degré de chaleur et le traitement qui conviennent à l'ananas. Il le place, hiver comme été, sous des vitres, dans des serres. Tu sais, les fruits étrangers suscitent énormément d'intérêt chez nous. Le grand naturaliste suédois, Linné, va même essayer de faire fleurir chez nous des plantes qui n'avaient jamais fleuri. C'est lui qui a écrit la première monographie botanique du bananier. En 1736, il va réussir à faire fleurir un bananier et à obtenir des fruits. On vient de très loin pour les admirer. Comment est-ce qu'il a fait pour réussir ? Il est parvenu à recréer les saisons pluvieuses et sèches. Simplement en déterminant les moments d'arrosage et en dosant les quantités d'eau. Ces bananes étaient bonnes à manger ? Les témoignages disent que la qualité de ces fruits laissait à désirer. C'est pour cela qu'au XIXe siècle, la culture du bananier ancien perd de son intérêt. On ne le conservera que pour la beauté ornementale de son feuillage. Passons au livre suivant. Ah. Celui-là, tu vas particulièrement l'apprécier. Pourquoi ? Il s'agit du premier ouvrage de pomologie avec des illustrations coloriées à la main. C'est beau. Regarde, voici un deuxième exemplaire du même livre. Les dessins sont les mêmes, mais les colorations sont un peu différentes. Le coloriste ne pouvait pas nécessairement trouver à chaque fois les tons et la même intensité des couleurs. Comme je te l'ai dit, les fruits étrangers suscitaient beaucoup d'intérêt. Et peut-être plus d'intérêt que ceux de nos régions. En tout cas, certains le pensaient et n'étaient pas d'accord. Comme l'auteur de ce livre, un jardinier hollandais du nom de Knoop. Pourquoi la peinture des pommes et des poires, production de notre terroir, mériterait moins d'approbation, disait-il. Ainsi, il a décrit dans son livre La pomologie toutes les pommes et les poires cultivées aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre, en France et en Allemagne. Il choisit les meilleures espèces qu'il nomme l'élite de ses fruits. En fait, Knoop est le fondateur de la pomologie. À ton avis, combien de variétés de pommes et de poires existaient-ils à cette époque ? Je sais pas, moi. Je ne connais pas toutes les variétés de pommes et de poires. Il y avait des vertes, des grosses. Dans ce livre sont représentées 103 variétés différentes de pommes et 82 de poires. Tout ça ? Et ce n'est pas tout. Dès la fin du XVIIIe siècle, la Belgique se passionne pour la culture de la poire. Deux hommes, Ardampon, puis plus tard Van Mons, vont créer de nouvelles variétés de poire par la méthode du semis. À lui seul, Van Mons obtiendra 500 nouvelles variétés. Plus tard encore, en 1874, un nommé Gilbert recense dans son ouvrage sur les fruits belges environ 1100 variétés de poires et quelques 60 variétés de pommes. On obtient même une poire qui pèse 1 kg et qui mesure de 20 à 25 cm de hauteur. Elle est incroyable, cette poire. Mais dis-moi, grand-père, où sont-elles passées, toutes ces variétés ? Éliminées, au fil du temps. Parce qu'elle ne satisfaisait pas les exigences de la production et les besoins du marché. Je trouve ça dommage. Moi aussi. Mais heureusement, nous avons ces livres pour les apprécier. Tu sais, au XIXe siècle, il existait une véritable passion pour la culture des fruits. Cet engouement n'était pas réservé à l'aristocratie comme au XVIIe siècle. Toute la classe aisée, propriétaires, avocats, négociants, instituteurs, possèdent leur propre jardin d'arbres fruitiers
équipés d'abris vitrés, d'espaliers. La taille améliore la fructification et donne aux arbres les formes souhaitées. Pyramide, fuseau, vase. Des échanges et des concours s'organisent en Belgique et à l'étranger pour célébrer les innombrables variétés de fruits. De nombreuses publications naissent dans le domaine de l'horticulture. Un nouveau procédé d'impression voit le jour, la lithographie. Qu'est-ce que c'est ? Avec la lithographie, il ne s'agit plus, comme je te l'ai dit pour la gravure sur bois et la taille douce, d'une technique en relief ou en creux, mais d'une technique à plat. Le dessin est en fait porté directement sur une pierre calcaire, au grain fin, à l'aide de crayons plus ou moins gras, suivant l'intensité du noir que l'on veut obtenir. Ensuite, le dessin est talqué et gommé pour le fixer sur la pierre. Le procédé d'impression chimique est basé sur la répulsion entre la graisse et l'eau. Ensuite est apparue la chromolithographie qui permet de superposer, grâce à un système de repérage, les différentes couleurs lors de l'impression. Pour chaque couleur, on a donc besoin d'une pierre. C'est comme ça que tu as ces belles gravures en couleurs. Tu sais, la Belgique était très remarquée pour la qualité de ses lithographes. La créativité belge en matière de fruticulture était même mise en valeur dans des revues étrangères. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces revues et ces fruits existent encore ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus ? Encore une fois, à cause des besoins du marché et des exigences de la production. De plus, les préoccupations des gens ont changé à la fin du 19e siècle et surtout au 20e. L'horticulture n'a plus passionné. Les collections privées et les revues spécialisées ont disparu. L'Europe a été envahie progressivement par des fruits calibrés et standardisés. Maintenant, les marchands nous proposent 3 ou 4 variétés de poires ou de pommes, soit moins qu'on en trouve dans un herbier du XVIe siècle. Je trouve ça triste. J'aimerais bien goûter les 1100 poires. C'est un réel problème. Comme on défend certaines espèces animales menacées, il faudrait aussi défendre les espèces végétales. Évidemment, quand elles disparaissent, c'est moins spectaculaire. Mais c'est peut-être tout aussi grave. Notre patrimoine végétal et le souvenir que nous en avons meurent petit à petit. Et personne ne fait rien ? Mais il faut en parler, grand-père. Dire aux gens qu'il existait 1100 variétés de poires. Il faut faire quelque chose, je ne sais pas. Essayer de les retrouver. Tu sais, fort heureusement, il existe des endroits où l'on essaye de protéger les différentes espèces de fruits. Et même où l'on tente de sauver les variétés anciennes. Il en existe en Belgique. C'est vrai ? Tu aimerais avoir un ? On y va ? Quoi ? Maintenant ? Ben oui, maintenant. Après, il sera peut-être trop tard. D'accord. Mais attends-moi ! Là, tu as encore oublié ton chapeau. Oh, grand-père. Bon. Tu vois, ici, on a rassemblé des variétés d'arbres fruitiers cultivés autrefois dans notre pays. C'est un verger conservatoire.
On essaie aussi de remettre à l'honneur des variétés anciennes de fruits, dont les formes, les goûts appartiennent à notre histoire. Par l'intermédiaire des pépiniéristes, les variétés les plus intéressantes sont diffusées auprès des amateurs, car elles portent des fruits de qualité qui résistent bien aux maladies. Regarde, il y a un photographe. Eh oui. Maintenant, nous avons la photo et des caméras pour représenter les fruits. Bonjour. Bonjour. Il prépare sans doute une publication. Sans doute. Et dans ce verger, il a vraiment le choix pour ses photos. Comme la triomphe de Jodogne. Alexandrina bivore, Messire Jean, la grille Bréban, la pomme d'api étoilée, la seigneur Espérenne, Calebasse à la reine. Quel drôle de nom! Oui. Je crois que ce photographe a vraiment un bon matériel. Tu vois, l'histoire continue et les techniques évoluent. Mais je me demande si on pourra jamais atteindre la beauté des dessins que je t'ai montrés. Des dessins qui ont demandé tant d'énergie et tant de talent. Grand-père, je crois que j'ai compris ce que ton père t'a dit quand il t'a offert ton premier livre. Conserve-le soigneusement, car le livre... Le livre est le miroir et la mémoire de l'homme. Ne l'oublie jamais. Je crois que j'ai compris. Très bien, ma puce, très bien. Dis, tu me montreras ton tableau. Un jour, quand il sera né et qu'il aura grandi. Et mûri, comme les fruits. Oui, je sais. Oui, comme les fruits.